Permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat?